Salut à tous les amis, et c'est votre tavernier. Et bienvenue pour un nouvel épisode, peut-être le dernier. Oui, car voyez-vous, on est presque à la fin. Regardez, tous ces carrés, ils sont presque tous remplis. Ça voudrait dire... mais oui, mes chers amis. Un nouveau let's play peut être terminé sur ma chaîne. Jésus, c'est un miracle. Eh, il aura fallu attendre que je pète ma carte graphique pour terminer le chapitre. Pour terminer un let's play. Et nous allons reprendre l'aventure avec Manu. Manu, où es-tu? Ah, Manu est là. Ah, ça va mieux. Oui, Manu. Et donc, on en était à cette énigme de merde. Bon. L'objectif était simple, je vous le rappelle. Essayez de passer par-dessus. Mais attendez, on peut passer là-bas? Bah non, on peut pas passer. L'objectif était simple. Monter tout en haut. Parce que monter en bas, c'est difficile. Monter tout en haut. Attends, attends, attends. Manu, on va pousser de ce côté. Si j'avais le portefeuille de Manu, ciao. Allez, on monte. Et là ça le fait. Là on a le timing. On l'a. Je te dis quoi? Non. Putain, ça va me saouler cette énigme. Tu me saoules. Manu, fais un effort. Allez. On va pas y passer 3 ans, hein. Ça va bien un petit peu. Il faut attendre. Mais non. Chope Manu! Oui, ah là ça le fait! Là va pas me dire que ça le fait pas! Oui, ça le fait! Yes! Attention, on va le choper en plein dans le sang! Oui! Oh oh! Oh là là, mais qu'il est fort ce Manu! Mais qu'il est fort! Une énigme de plus en moins. Alors, nous avançons dans les pénombres. Dans la pénombre, là. Ne traînons pas. Oh oh, Houston! Ah! Merde! On a un problème. Bon. Effectivement, il faut passer au-dessus. Par-dessus la troisième corde! Ouais, je gère Manu. Qui est fort, ce Manu. Très fort. Allons retrouver Chen. Alors, je lis vos commentaires. Et j'ai lu dans vos commentaires. Stop! Manu, arrête! Ok. Nous sommes face à un nouveau problème. J'ai lu dans vos commentaires que vous disiez... Aïe. Quand j'étais une grosse quiche en énigme. Hein? Je ne suis pas une grosse quiche. Mais comment je vais faire? Ah ouais. Ah là on est... Courir. Ah, j'y étais presque pourtant. J'y étais presque.
J'ai peut-être une idée. Oh, c'était presque. C'est une course contre la montre. En fait, il faut que Manu pousse ce machin pour que ça me fasse gagner du temps. Et en même temps, en le poussant... Voilà, merde. Un petit peu trop loin. En le poussant, ça me fera peut-être gagner les microsecondes qu'il me faut. Oui. Yes. Bien joué, Manu. Qu'est-ce que... Pourquoi je sens qu'il y a une énorme bulls? Là, c'est électrocuté. Vas-y! Oh là là! Manu! Oh, c'est pas juste ça! C'est pas juste, le truc il s'est allumé après! Mais non! Injustice! Injustice envers un tavernier! Bon! Reprenons l'aventure! Allez, Manu! Oui, je me donne du courage! Bon! Je l'ai! Allez, Manu! Moi, je dirais qu'il faut que j'aille en dessous, en fait. Mon instinct me dit, tavernier, tu dois aller en dessous. Voilà. Ça a arrêté de tourner le machin. Oui, c'est bon. Bon. Quelle étrange machine. Alors, certains d'entre vous, très cultivés, m'ont dit, oui, ça reflète l'enfer de Dante, qui doit rechercher sa dulcinée. Eh ben putain, l'enfer, il a une drôle de gueule. Ça serait marrant, je lui disais, ça serait marrant de faire... Est-ce que je dois sauter en bas, du coup? Je lui disais, ça doit être marrant... Si on devait faire tout le jeu à l'envers et ne pas se retourner. Bon, comment je dois faire? Aïe. Ta dernière réfléchie. Tu as des mitraillettes. D'accord. Et cette mitraillette va la détruire, celle-là. D'accord, je m'en doutais. Il faut qu'on se serve de cette mitraillette pour casser l'autre. Voilà. On n'en parle plus comme ça. On peut passer tranquille. Bah oui, tavernier, mais oui, encore une énigme facile. Eh, après on dit que je fais les énigmes, que je suis nul à faire les énigmes. Eh ben voilà. Ah, je vous entends plus là. Hein? Ah non, encore une énigme. Pourquoi il y a que des énigmes dans ce jeu? Oh mon dieu. Allez Manu. Ah. Je crois avoir tout compris.
Eh, non, non. Ah, oh, merde. Je comprends rien. A few moments later. Je vais tenter un truc, mais j'en peux plus, les amis. Je n'en peux plus. Si c'est ça, non mais c'est trop mais c'est ça. Oh putain. Je suis débile. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je suis sur cette énigme à la con. Pourquoi? J'en fais plus. Bon. Bah mais je vais vous couper les 10 minutes parce que voilà. Oh non. Non, non, c'est pas possible. Que dois-je faire? Ok. Obligatoirement qu'il y ait une caisse en dessous en fait. Oh, sale pute. Putain. Ok, 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 on a l'énigme, ok, on voilà. Non mais il faut qu'on traverse cette énigme. Les amis, il faut qu'on passe cette énigme. Il le faut. Je suis déjà à 30 minutes d'enregistrement. Bon, pour vous, ça va faire genre 10 minutes, mais bon. Allez, 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 Manu. Manu, 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 mon héros. Oh là là. Oh, ce génie. Alors maintenant qu'on a réussi à faire monter cette caisse, la question est... Comment on fait pour monter nous-mêmes au-dessus? Allez! Je suis à 40 minutes! Ouais! C'est la folie! Pourquoi t'as fait ça, Tavernier? Pourquoi t'as fait ça? Alors je vois pas, alors moi je vois pas, je vous le dis, je vois pas le moyen de faire monter cette caisse. Donc, faut que je me serve de la caisse au-dessus. Est-ce que j'ai le temps, maintenant, la question est de savoir, de monter. Putain, c'est ça. J'ai le temps de monter, d'arriver jusqu'à cette caisse, que... Oui, 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 oui. Putain, 40 minutes, 40 minutes pour cette merde. Putain, ça y est. Alors attendez, là on a une caisse, je pense qu'on peut la faire descendre en y tirant dessus. Ça a l'air simple ça. Et j'ai souvent appris que les choses simples ne l'étaient pas vraiment. Ok. Si je mets la caisse là, est-ce qu'elle se fait exploser la tronche? Ah non, ça tient. Ça tient bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Tavernier, t'es trop bon. Ah ouais. D'accord, faut que je m'amuse en fait à monter et à descendre le machin. Voilà. Ça va être marrant ça. Mip. Mip. Putain, ça va me faire chier. Ça va me faire chier, ça va me faire chier, ça va me faire chier, ça va me faire chier. Allez, allez. Allez. Allez, viens. Viens-moi. Elle vient. Elle vient. Elle a envie de venir. Regardez. Elle vient.
Je sais que t'en as envie. Ok. Allez, viens! Allez, tiens! Tiens! Oui! Yes! Oh non. Attends, ça marche là si je fais ça ou pas là? Oh non. C'est quoi ces énigmes là, con? Ah mais ouais, là, ça marche plus du tout, hein, en fait. Hein. D'accord. Ouais. Comment je fais, là, maintenant, tout de suite? Bon, je vois pas. Je vois pas. Ça me saoule. Voilà. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je prends les caisses. Parce que j'ai envie de la prendre. Et de pas mourir. Con. On va amener ça là. Parce qu'on n'est pas allé de ce côté encore. Et moi je suis curieux. On traîne pas parce qu'il y a le truc qui va tirer. Et là on a un machin. Oh! Mais c'est pété en fait. Mais c'est pété, on peut amener la caisse là. Ok. Bah du coup c'est comme ça qu'on récupère l'autre caisse en fait. Hein? Tout simplement. Bah ouais parce qu'elle est là maintenant. Bah oui. C'est le monde à l'envers. Ah ouais mais vous avez remarqué les arbres sont à l'envers en fait. Ah, interesting. Ah, par contre, il faut que je puisse grimper au-dessus. Ah, donc le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est d'amener les caisses ici, placées au bon endroit, et que je grimpe dessus. Ça, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, et en faisant ça, on y est. Voilà, putain. Et si j'avais su, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt, en fait. Je me serais pas emmerdé à essayer de passer à autre caisse là-bas. J'ai entendu un drôle de bruit. Ça me semble être une idée de merde, Tavernier. Je fais du rock. Tant que ça, ça descend pas. Ouais, donc l'idée, c'est faire quoi avec ça? Ah. Ah, ça, ça maintient. Je comprends pas le but de la chose en fait. Et à quoi ça sert peut-être à garder la stabilité. Ah d'accord. Ok. J'ai compris. Les amis. Je pense avoir compris des choses. Thank you.
Le but, en fait, celui que de droite, ce bloc-là, soit en bas, et que le bloc de gauche soit en haut. Ok. Ok, ça l'a fait tenir. Le bloc de gauche monte plus vite, donc il suffit que je lâche plutôt. Voilà, on fait comme ça. Et oui, le bloc de gauche était situé plus bas, donc... Enfin, le bloc de droite était situé plus bas, donc ça passe. Ça passe. Voilà. Ok, il y a une tirouline. Je l'ai. Ninja. Salut les amis, ici votre tavernier, et bienvenue pour un nouvel épisode, et sans doute le dernier, sur mon let's play de Limbo. Oui, ça y est, enfin, on va terminer ce jeu. Wouhou. Avec les insectes et tout, Manu est content, parce que Manu sait qu'il va retrouver Chen, hein, et qu'il va la piquer à Cédric. En avant Manu. Oh, l'idée de merde. Oh, l'idée de merde. C'était vraiment une idée de merde. Aïe. Oui, j'ai vu la flèche. Vous devez me dire, ouais, regarde la flèche, tavernier. Voyons, réfléchis à la flèche. Vas-y, Manu. Saute. Oh, il est bon, Manu. Vas-y, saute, Manu. Oh là 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 là, Manu est vraiment trop fort. Hein. Manu. Ben ça passe comme ça. En tout cas, c'est vraiment très étrange ce coin. Très très étrange. Est-ce qu'on va se faire écraser par le haut? Je ne sais pas. Bon, ça se trouve, j'aurais pas du tout assez de contenu pour faire une vidéo. Je la collerai à l'autre. Hein. Donc, ça se trouve, c'est pas un nouvel épisode en fait. Ça se trouve, je vous ai menti. Bon, mais vu comme je suis une quiche, ça risque sans doute d'être un nouvel épisode. À la main, Manu! Aïe, Manu s'est pris un double kick, il est tombé sur le sol, il s'est fracturé les jambes et en même temps, la caisse lui a fracturé la tronche. Allez Manu, c'est le meilleur de l'autre côté. Bon, on a un problème. Les amis, on a un problème. Et je sais comment le résoudre. On peut pas le faire d'un coup, on ne peut pas. Donc... j'amène d'abord un petit peu la caisse là. Et je saute là. Voilà. Et on y retourne. Oh. Oh putain. Oh la caisse. Dans la nuque. En plein dans la nuque la caisse. Oh putain. Oh putain. Allez, là on va là. Et on y retourne. Et c'est la dernière. Si j'avais... bon, ça passe là. On va y aller tranquille, hein. Eh, hey, c'est du jump. C'est Mario 64, là. Ouh là là. Ah
Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que Manu n'aime pas trop les mitrailleuses. Envole-toi. Ok, donc le truc il se réinitialise tout seul en fait, hein, j'ai l'impression. Oh ! Ah, j'y étais presque. Ah, je sentais que ça pouvait passer. En fait, c'est pas du tout passé. Voilà, ça passe là. Est-ce qu'on va se faire écraser ? Non ! Oh ! Putain. C'est tout est une question de timing, les enfants. Là, vous voyez, par exemple, j'avais pas du tout le timing. Saute. Voilà. Eh, c'est quand même pas évident, pas évident. Faut que je pense, il faut que j'essaie de sauter un truc en même temps. C'est un peu compliqué. Manu est mort. Putain, je vais y arriver. Je vais y arriver. La force est avec moi. The force is with me. Ah, je sais, faut que je bloque. Ah, j'ai compris. Mais t'as gagné, t'es vraiment débile. On va dire à Dagoth. Mais Dagoth, il ne faut pas l'écouter, sachez-le. Allez, on y retourne. Et là, on le bloque. Mais zut à la fin! Zut le jeu! Oh mais genre j'y étais. Bon, réfléchis. Est-ce que je peux sauter dans l'autre sens et faire rien? Non. Aïe. J'ai l'impression, ouais, en sautant on va plus vite en fait. L'idée à la con quoi. Oula, c'est pas une militaire. Vas-y, saute. Non, non. Et ils ont quand même bien planqué de chaîne, hein, depuis tout à l'heure, parce que je ne comprends pas. Voilà, là, c'est fait exprès. Là, on descend là, ce qui va nous permettre de descendre de l'autre côté. Voilà. Bien joué, Tavernier. Est-ce que ça continue? Ah oui, oui, en effet, ça continue. Alors, il va falloir être bon, là. 1, 2, 3, 4. Vas-y! Oh, putain. Pendant une seconde, j'ai eu un peu peur. Aïe. C'est du Lion Retry là. Oh là là. Attendez, j'y suis arrivé. Serait-ce la fin du jeu? Oh, j'ai réussi. Mais où est Chen? Attention Manu, ça va faire mal. Je craque. Joli ce petit effet de ralenti là.
Manu. Manu. Bon, Manu, réveille-toi. Attends, c'est pas le début du jeu, ça? Mais non, ils vont pas me faire ça. Oh, les gros bâtards! C'est le début du jeu. Non. 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 Les fils de chacal. Non. Bah arrête. Mais non. Mais non. Donc ça veut dire que... à jamais je ne retrouverai Chen. Bah arrête, tu te fous de ma gueule. Oh, la femme pourrie. Je peux plus sauter. Ah bah si, c'est Chen. Oh bah j'ai eu peur. J'ai cru que c'était le début du jeu. Salut Chen. Il casse tout. Et voilà les amis, c'est sur ceci qu'on termine Limbo. Enfin, Manu va se taper le chêne. Non, moi j'ai ma petite théorie. Les enfants de la forêt, Peter Pan et tout, ils ont pas de meuf dans leur clan. Et vu que Chen, elle est destinée à Manu, eh ben ils ont voulu tuer Manu. Et empêcher que Manu retrouve Chen pour pouvoir recréer la population et sauver le monde. Mais vu que Manu est un gros égoïste, il a essayé de garder Chen pour lui. Voilà. Bravo Manu. C'est quoi ça que c'est? Cette conclusion de merde. Non, Limbo, très très bon jeu. Franchement, je me suis amusé à y jouer. C'était un petit peu compliqué sur la fin au niveau des énigmes, sans pour autant être insurmontable. Franchement, un petit bon jeu qui est gratuit, je vous le rappelle. Vous l'avez disponible sur Steam gratuitement. Je sais plus s'il est encore disponible, mais voilà. Pour un jeu gratuit, moi j'ai envie de dire ouais. Côté artistique, vraiment très beau. Durée de vie, pour un jeu gratuit, excellente, on va dire. Non. Que du positif, que du positif, des énigmes intelligentes, un gameplay intéressant, vraiment, tout est très intéressant dessus. Je ne peux que vous le recommander vivement, jouez à Limbo, Limbo c'est la vie. Continuez l'aventure de Manu pour moi, car nous, c'est sur ceci qu'on arrête le let's play. J'espère que vous l'avez apprécié. Deuxième let's play qu'on termine sur ma chaîne, wouhou, youpi, qui laissera place à notre jeu. Donc on va terminer FTL d'abord, et puis après on recommencera de nouveaux let's play en parallèle. Voilà. Et bien sur ceci les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut. Start chained to our past.